Je suis en émission 10 heures. Je suis encore en train de faire des choses. Je suis en Paris, surtout. Je suis en train de faire des réactions. Alors, le coup, je suis en train de faire des choses sportives. Je suis en train de faire des choses parce que je suis en train de faire des choses. Maman Suzy est l'une des rares femmes qui est présidente de l'équipe. Il y a basketball, il y a terreur. Et ça a plaisir à l'élo parce que je suis en famille. Ma maman a un neuf, basi basi. Je suis en train de Alors on a respecté la femme Mingi. Tant qu'on a eu comme on a que nous on a coupé la dame Mokwazali, présidente de l'équipe y a basketball, maman Suzy, Azali présidente de l'équipe à terrain. Ça a été un plaisir. On a contacté en contact naie, on a moko personnellement, on a mis quelque chose. Tout ça en valeur. Pour épé ça peut maman Suzy courage, maman la gare que non sport les arts et l'eau la mibalité parce qu'on va présenter maman peut oser la présidente parce que tu as besoin de mécène dans l'équipe y a Congo pour te éviter l'obitant sur Congo peut sport te gros bon ça Congo pour. Ils ont le mot, ils ont ma casse, ils ont le talent, le sport, ils ont le sport, ils ont le sport, ils ont rare, autant pour la Kina, ils ont la femme, ils ont la présidente, ils ont la femme, ils ont la minorité. Alors, ils ont la tienne en valeur, ils ont la maman Suzy, pour Terrel, si je ne me trompe pas, ils ont fondé en 1957. Mon père a joué dans la Terrel, mais avant, c'est vrai que papa n'a pas été dans la Terrel. Alors, ils ont le plaisir, ils ont le plaisir, ils ont le plaisir, ils ont la bonne maman Suzy. Afrobeat, le gourou de la secte, bien sûr pété. Tokoyemba, Tokodina, Tokoyemba, pourquoi bouger? Bizikoya, Izo, Izo, et tout ça n'a pas yé 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 yé. Junior Mounongo, Soda Makasi. Tokoyemba, Tokodina, Tokoyemba, pourquoi bouger? Bizikoya, Koubou, Yuyu, et tout ça n'a pas yé 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 yé. C'est Maman Suzy Kachama. Je suis présidente de BCTR. Et il y a beaucoup de présidents au milieu du basketball Pour le moment, du côté masculin, je suis la seule. D'où vous êtes venue cette passion? Je suis une ancienne basketteuse. Ça fait longtemps, j'aime bien le basketball et ça doit faire plus de 23 ans que je suis passionnée de basket et j'encadre l'équipe de BCTR. J'ai joué dans ICA. ICA. Oui, imprimerie de Kinshasa, ICA, Safrica, c'est consort. Ah, ça fait longtemps, 84, 85, 86 et 87. Non, l'époque de Nguya, j'ai joué dans la même équipe que Nguya, Longazaka Mimbai, Petit Poisson et Ndombe. Là, c'est une question, je dirais, un peu difficile. J'ai toujours cherché des encadreurs, de gens passionnés de basketball qui pourront arriver à encadrer Terreur comme il faut. Et je n'ai jamais trouvé, c'est comme ça moi-même, je me suis dit pourquoi pas prendre la commande et encadrer Terreur comme le fait tout le monde. Ah, Terrel, c'est depuis 1958. Et 56. 56, et ça a été créé par qui? Créé par Doula, le fait Doula. Non, je ne suis pas fondatrice de BCTR. Actuellement, j'encadre quatre équipes. Quatre équipes. Version toujours masculine. Il y a Terrel cadet, Terrel 2, Terrel junior et senior. Comme tous les clubs de la RDC, beaucoup plus du côté financier.
on n'est pas sponsorisé, donc on a beaucoup plus de la peine, en tout cas, à encadrer les jeunes tels qu'on les souhaite. Je dirais à l'époque, évidemment, les gens s'intéressaient beaucoup plus au basketball. Les gens de bonne foi, des particuliers qui s'intéressaient au basket et investissaient dans le basketball. Bien que quand on donne, on ne reçoit rien. Mais en tout cas, à l'époque, les gens aimaient bien investir dans le basket et s'intéressaient plus au basket. Et je dirais aussi ces questions de... À l'époque, c'était à l'IMCA et l'IMCA, c'est en plein Matongé. Donc, tout le monde avait accès facile. Donc, pour la facilité de venir. La facilité de venir. Et maintenant, au Stade des Martyrs, c'est difficile. Le Stade des Martyrs, je pourrais dire, est mal entouré par des petits voyous. C'est comme ça, beaucoup de gens aussi n'aiment pas du tout venir. Et du côté de gens qui encadrent, je ne sais pas. On s'intéresse beaucoup plus au football qu'au basketball. Il n'y en a pas pour le moment. En tout cas, association de présidents, il n'y en a pas. On essaie de faire de notre mieux pour attirer les gens vers le basket, mais les temps étant difficiles pour tout le monde, en tout cas, on puise dans les poches des gens de bonne volonté, des gens de bonne foi, qui ne sont pas nombreux d'ailleurs. Et les jurys seront par là, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, actuellement je fais appel aux gens de bonne foi, pourquoi pas aux entreprises qui aimeront bien en tout cas sponsoriser les clubs, venir vers le BCTR. Je crois que notre fédération avait écrit en son temps au gouvernement pour qu'on puisse essayer de bloquer un budget pour le basketball, ce qui n'a pas été fait. Donc on demandera au gouvernement en tout cas, pourquoi pas chercher à allouer un budget pour le basketball. Je crois que ça pourrait être facile pour notre fédération de pouvoir aider de temps en temps le club. Mais en tout cas, je dirais oui, parce qu'ils arrivent quand même à organiser des camps au niveau de la RDC. Je dirais non, parce que ça n'apporte rien au club. Si ce n'est qu'après les clans, ils prennent les athlètes, ils partent avec, on ne gagne rien. Je dirais ça, mais ça n'apporte rien en tout cas au club. Peut-être à la fédération, ça je ne sais pas, mais en tout cas au club, ça n'apporte rien. Bon, évidemment, on est couvert par les licences, mais quand ces gens-là prennent les athlètes, généralement, ils traitent directement avec la fédération. Ils intéressent, la fédération n'intéresse pas les clubs. C'est ce qui est dommage pour nous. Et on demanderait peut-être à la fédération dans l'avenir d'essayer d'intéresser quand même les clubs à ce qui concerne les transferts à l'étranger. Nous ne sommes pas autorisés à les faire. Nous devons nécessairement transiter par la fédération. Donc c'est à notre fédération d'essayer de couvrir les clubs dans ce sens-là. Au total, il y a 133 athlètes au niveau de BCTR, 133 qui ont des licences. Oui, 833. Organiser ça, je dirais, c'est un peu un secret interne à BCTR. Mais on fait de notre mieux pour essayer de les satisfaire. Et mais qui transporte les entraînements? C'est, je dirais, la poche de l'équipe. On ne reçoit pas de délai de... en dehors de nos propres poches. Oui, on a un grand joueur qui joue actuellement dans Limoges, Shekina Munanga. C'est un jeune qui totalise 19 ans aujourd'hui. Il est dans Limoges. Shekina qui est aux espoirs à Limoges. Espoir à Limoges. C'est le seul qui est venu qui vient de Terreur. Qui vient de Terreur. On a quand même des joueurs qui sont partis cette année par Biombo. Bon, on ne sait pas encore parler d'eux parce qu'ils sont encore au niveau des collèges. En collaboration avec Terreur ou sans la collaboration des Terreurs? Sans la collaboration des Terreurs. Qu'est-ce que Terreur va gagner? Tout justement, jusque-là, je dirais que Terreur ne va rien gagner. Sauf peut-être que ça sera la bonne foi de ces athlètes. Le basket d'hier, je pourrais dire... En tant qu'ancienne basketteuse, je ne sais pas si c'est du côté encadrement ou du côté entraînement,
En tout cas, d'hier, d'aujourd'hui est beaucoup plus Yabès. En tout cas, du côté basket d'aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Bien que nous faisons de notre mieux pour l'encadrement techniquement, mais en tout cas, il y a vraiment baisse. Il faut que les moyens suivent, il faut que le matériel, les équipements suivent, peut-être pour qu'on arrive à rehausser un peu le niveau de basketball au niveau de la RD. En tout cas, c'est vraiment une exigence du côté de cette erreur. Tu ne peux pas venir cadet chez Terreur ou junior chez Terreur si tu ne vas pas à l'école. Ça, en tout cas, c'est une obligation pour faire partie. Et il y a un suivi au niveau des parents. Est-ce que les parents sont derrière? Oui, nous sommes en contact. Nous sommes vraiment en contact permanent avec les parents. C'est ce qui fait que ces enfants ne viennent aux entraînements qu'une ou deux fois. Parce que nous donnons beaucoup plus d'importance à l'école. Comme on a un coach, Eddie Machombo, on a un coach assistant de l'équipe Terreur. Oui, il y a des chaînes. Et ça facilite tout comme fait facilité. On va faciliter dans les Français. Pour le banc, c'est belé. Nous avons encadré plus de 100 élèves qui ont encadré dans le basket. Donc, ils ont facilité tout le monde qui a mis balé pour encadrer le banc. On a encadré le banc, la réalité est belé. On a mis le basket dans Don Bosco, Massina. Moi, expérience, il y a une case. Il y a une division, mais il y a une base salésienne. Bon, objectif, en tant que jeune, Ah, bana Congo, Kabana bino ezala toujours passé. Mais to lingani mingi mais suka nango photo Kabana. Ngonge 5 to Kabana. To komina suka bo tikola na mama Suzy en tout cas. Na rien na fierté ya koyamba et tant qu'une femme présidente de l'équipe à Terreur ya basket. Minga ko valoriser exacte na pesika ka Cédric monsieur te réalisateur moté. Commanda Bila ya de l'homme Tijo. Na zo beta sete na ba initial ya makasi GFK. GFK kanik na pesi moté. Président Dido Ilembwa. Pero zali moté ya mingi. Président Dido Ilembwa, président Dido Ilembwa, on appelle Siombote, sans oublier ministre Nabiso, il y a agriculture, il y a ville à Kinshasa, Magloire Kabemba, Magloire Kabemba, tu peux Siombote pour aux alara mécènes na sport, au tika ka sport, en tout cas tu peux Siombote ministre Nabiso, ninga ko lebisa te c'est simbi et tika likaba kabola.